94% des personnes qu'on a interrogées sur notre plateforme consultative nous ont dit qu'en 10 ans, la situation s'était dégradée. Que se passe-t-il? Crise de l'emploi, crise d'attractivité, crise du travail, crise du sens, c'est tout le sens de notre avis et de notre rapport. Pour réaliser cet avis et ce rapport, on a vu plus de 150 personnes en audition et en entretien, on a fait 3 déplacements en Île-de-France, à Lyon et à Montpellier, et on a fait également une plateforme de consultation qui a réuni plus de 5000 réponses. Redonner du pouvoir d'agir aux professionnels, c'est le premier enjeu. En faisant évoluer les organisations de travail, en leur redonnant du temps, en s'assurant qu'ils soient suffisamment nombreux pour répondre à toutes les demandes et à tous les besoins de nos concitoyens. Réinvestir dans les salaires, immédiatement et sur le long terme, pour assurer un pouvoir d'achat et un niveau de vie suffisant pour ces professionnels et redonner de l'attractivité à ce secteur. Simplifier et réinventer le financement à partir d'évaluations de l'utilité sociale, des évaluations qualitatives sur qu'est-ce que ça produit pour ces personnes-là, et non pas seulement des évaluations budgétaires, quantitatives ou de fréquentation.